Oui, alors en fait, c'est l'histoire de destins entrecroisés, essentiellement de deux écrivains. L'un fait partie de la vague montante. Et l'autre, pas qu'il descende, mais il est à la recherche de l'inspiration. Il faut à tout prix que j'achète un autre cerveau, c'est pas possible. Et à côté de ça, parallèlement, plusieurs petites scénettes, petites histoires, sur fond de chant. Et donc c'est l'histoire d'une professeure de chant qui donne des cours à un petit groupe vocal. Et puis elle se rend compte que la fille... C'est quoi ce gros monstre là? C'est papa. Ah c'est papa, mais quelle horreur. Que, enfin, une des filles... Papa. Qui est dans ce groupe vocal. Et la fille d'un de ses écrivains préférés. C'est drôle parce que... Je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps à une soirée. Regarde, c'est lui, là, juste là, c'est Cassard. Il était avec une toute jeune femme et je m'étais dit que ça devait être sa fille, justement. C'est sa femme. Ah, c'est sa femme. Elle-même étant la fille. Hein? La femme. Tu te rends compte comme tu déformes les choses? Eh ben, de cet écrivain montant. Ça va faire un entremêlement d'histoire. Je te crois, ouais, mais n'empêche que moi, des fois, j'ai l'impression d'être une chaise. Que je vous recommande grandement. Voilà, merci. Marie, tu peux aller me chercher un café, s'il te plaît? Attends, putain, c'est mon interview! Il n'a pas aimé? Si, si, il a beaucoup aimé, je crois. Quand tu chantes Du Hall de, c'est ce qu'on entend, Du Hall de Kunst, ça s'arrête et puis tu passes à autre chose. Oui. Hein? Du Hall de Kunst, et tu vois déjà Stunden. Hast du mein Herz? Pas de pas hast du. Hast du mein Herz? Mein Herz. Hast du mein Herz? Zu warmer Lieb entzünden. Zu warmer Lieb entzünden. Ah oui, oui. Ramenez la phrase. Et bessere, il n'y a pas de mâchoire. Oui. Bessere. Bessere. Pas de mâchoire. Bessere. Et un palais. Bessere. 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 Voilà. Et en fait, je vais le faire jusqu'au bout, je vais essayer. D'accord. Et tu me donneras? Oui, d'accord.
avec. Je vais bouvouiller quelque chose, mais toi tu causes normal. Toi tu vas, toi tu dis ça va, on est au complet, tu sais, tu passes par-dessus. Voilà. Ah, pas du tout, genre toi t'es gonflé et puis c'est tout quoi. Et d'ailleurs tu peux lui dire bonjour et tout ça, je sais, par rapport à. Enfin, bonjour au taxi, tu veux dire? Non. Ah, Marie-Lou, elle doit être gentille avec elle, oui. C'était bien? Mais non, mais moi je t'entends. Mais moi je t'entends très bien, moi. Je t'entends. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, vous pouvez baisser un petit peu la musique, s'il vous plaît. Non, mais juste baisser. Allô? Allô? La première fois, il y a écrit que deux allô, mais c'est sur un troisième ou un quatrième avant. Ouais. Oui, allô? Ouais. Tu reprends, tiens, allô? Allô? Parce que là, je dis allô, allô? Non, attends, c'est bizarre. Allô? 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 Bah oui, mais j'arrive, là, j'y suis quasiment. Vous êtes où, vous? Après, toi, dans la rue. Voilà, serre à droite, dès que tu peux, là. Après. Ah ben, moi, je te vois, là, ça y est, je vous vois. Ok, ok. Voilà, serre à droite, c'est là, monsieur. Voilà, ici. Voilà, serre. Et arrête-toi. Ouais, monsieur, ici, voilà. Hauteur. Bon bah ça va, c'est bon, j'ai entendu. Je sais pas. Quand vous m'avez pas répondu. Bon bah ça y est, je vous ai répondu maintenant. Ils arrivent en quelle année vos copains là? Je vais pas attendre jusqu'à demain matin, hein. Je perds de l'argent là, moi je vous préviens. J'ai pas que ça à foutre. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez? Encore. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Ben il est là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faisiez? On t'attendait devant le cinéma. On était au cinéma, on sortait. On t'attendait depuis un quart d'heure devant le cinéma. Bon, ça y est, c'est bon. Arrête pas de me faire engueuler, moi. On est au complet, là, on peut y aller. Par qui? La porte. C'est à moi que vous parlez, monsieur? La porte, elle est mal fermée. Non, mais moi, je vous demande, monsieur, c'est à moi que vous parlez, parce que vous allez pas prendre ce temps avec moi. Non, mais moi, je vous le dis, moi, je vous laisse pas le choix. Je vous dis, vous allez pas prendre ce temps avec moi. Moi, je vous le dis, moi, je vous donne pas le choix. Je vous dis, vous allez pas prendre ce temps avec moi. Ni avec personne, d'ailleurs. On parle aux gens poliment, je sais pas si vous êtes au courant. Bon, on va rue de Pavois. Oui, je sais. Eh ben, je vous le répète. C'est pas le départ le plus dur. Ah. Deux, trois. Tam, tam.
chante, arrête. Attends, je me suis paumée, j'ai pas compté. C'est pour ça, essaye de chanter genre en même les premières notes du début et arrête, comme ça on essaye de suivre sans la musique. D'accord. Pour être sur les temps. 2, 3. Justement, pardon, excusez-moi. Oui, vraiment. D'ailleurs, mets-toi plus comme ça. C'est beaucoup plus dans le corps et moins dans le. C'est sport. Moi, je transpire très peu et quand je chante, je suis en nage. Ouais. C'est vraiment. C'est là, tu vois, c'est ça qui est fatigant. Bon, et puis, servez-vous des consonnes au lieu de les éviter. Hein. Que traditor, que traditor duro. Che traditor, che traditor giuro. Laissez aller le son, hein? Ça avance la musique. Vous vous écoutez là. Vous vous laissez pas séduire comme ça par vous-même. Ça, ça risque pas. Tu vas faire les nonos. Ouais. Je lui dis de bien faire. Ok. De bien me poser. Toujours un peu en avance par rapport à toi. T'as pas respiré. Ouais. Quel traditeur. Parce qu'il faut qu'on entende le max. Amor dove dove la fée. Quel traditeur. Quel traditeur. Giuro. La synchronisme. Sur le deuxième. Non dira. Non dira. Ouais. T'es en retard. Et moi, je suis en retard. On fait plus. Ah oui. Non mi tormenti più. Ce qu'il dit le texte. Faites que revienne mon amour et que cesse mon orgueil. T'es comédienne alors ? Ouais, enfin, comédienne, c'est un grand mot. Je fais un peu de théâtre, je fais du chant, tout ça. Et toi ? Journaliste. Enfin, je viens de terminer mes études. Ça va ? On y va, c'est l'heure ? C'est quand j'ai pas pu venir à la soirée, là, ça m'a fait plaisir. C'est coupé. Arrachez-vous un peu là. Hein. Ouais. Faites ça tout seul, ouais. Sans bois.
tout seul, chanter comme ça. Non, remuez-vous. C'est organisé par qui? Là, je peux organiser par qui, en fait. C'est organisé par qui? Allez, allons. C'est organisé par la Commission européenne ou par les Italiens? Karine, tu peux acheter les piles, là, tu sais, les petites, là, pour le... Ouais. Ah, oui, mais c'est organisé par qui, en fait? Merde! Quoi? Oh, merde. Si, hein? J'ai oublié le vin. Ah, plus je peux. Voilà. D'accord. Les filles vont à Courcy comme prévu, puis nous, d'un coup de bagnole, on va chercher du vin. Ah non, non, non. Ah non, j'ai pas envie de me refaire deux heures de bagnole, hein. Tant pis pour le vin. Bon, bah écoute, j'y vais tout seul. Alors. Ouais, que ce soit un peu plus. Oui, j'ai compris ce qu'on fait. Voilà. Oui, ça c'est très calme, même au téléphone, etc. Bah oui, non. Enfin, vous avez poussé, à un moment, il y avait, bon, on va pas revenir sur cette route, c'est ça. Allez, allons-y. Tu vas pas faire ça, Vincent? On boira le vin du coin et qu'il y aura un aveugle, c'est pas grave. Donne-moi les clés, je te promets. Vraiment, T'es sûr? Écoute, je te le dirai. Merci. C'est coupé. Scène qui se passe en hiver. Si, en début mars. Donc je proscris les t-shirts, c'est mon métier. Exceptionnel, franchement. C'est une. Enfin, c'est une critique exceptionnelle. Oh, je le sais, j'ai peut-être. J'ai une proposition. Oui, non, mais tu vois. Pierre, c'est une critique exceptionnelle, franchement. Exceptionnelle. We'll be right back.
Clap de fin. Quitte pour lui. Je pourrais dire que c'est moi qui ai apporté les fleurs à votre premier rendez-vous. 3. Est-ce qu'on peut terminer un jour, cette blague ? 2. Alors attention, silence partout. Attention, silence. C'est magnifique ici. Il va pleuvoir tout le week-end, ça se trouve. C'est au moins. Ça va s'éclaircir, je vois du bleu là-bas. Où ça, du bleu ? Là. L'aura de este amor ya terminó. Pensando en ti, mi amor. Estoy. Mais qu'est-ce que tu fais exactement ? Je fais esprit, toi, je peins l'herbe. Putain. On fait de l'herbe d'avril, avril-mai. Mais vu la sécheresse, si tu veux, ça le fait pas. Santé sur 3 cinquièmes. Et action! Qu'est-ce que tu fais? J'arrête. J'ai plus envie de conduire, j'arrête. Mais pourquoi? Vas-y, je ferme ma gueule, je te promets que je ferme ma gueule. Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête. Recule la voiture. Et on coupe. C'est pété la poignée. Un provision, je sais. J'arrête. Oh. Sur 3, première. Et action. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Mathieu, c'est ça? Non, Sébastien. C'est Sébastien, on est trop en retrait, là. Tu crois qu'on peut se salir un peu? Il faut que tu me le prennes vraiment. Voilà, il faut venir le prendre comme ça. Ouais. Enfin, il est plus petit que moi, mais... Puis bonjour. 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 Mathieu, c'est ça? Non, Sébastien. Il y a une soirée, pas loin, chez un copain. Enfin, pas loin, à 10 km. Ah ouais. Je vais y aller. J'ai envie d'y aller. Tu peux venir si tu veux. Non, ça va, merci, je vais partir. Mais pourquoi? Il y a un train direct ce soir. Non. Je partirai demain. Merci. Moteur. La tour. Allons. 38 sur 1, troisième. Et action. Honnêtement, en oubliant que je suis son père, va, sans complaisance, tu dirais quoi? Elle a une jolie voix. Non, mais sans complaisance. Oui, j'ai bien compris, mais je te réponds sincèrement. De toute façon, c'est difficile de dire.
On peut pas savoir. Parce qu'il me semble qu'elle investit beaucoup là-dedans. J'ai l'impression qu'elle s'est mise dans la tête qu'elle allait être chanteuse maintenant. Oui, c'est vrai, c'est clairement. De toute façon, c'est difficile de dire. Parce qu'il me semble qu'elle. C'est pas grave. Il me semble qu'elle investit beaucoup là-dedans. J'ai l'impression qu'elle s'est mise dans la tête qu'elle allait être chanteuse maintenant. Bah, pourquoi pas? Si elle est prête à assumer la somme de travail que ça représente. Non. Tu n'en auras pas. Elle a fait beaucoup de tentatives, un peu dans toutes les directions. Elle est comédienne aussi. Tu as des dessins, tu dessines, tu manges pas la face glace. Elle manque un peu de lucidité, quoi. Karine, on peut baisser la petite? Si je veux de la glace. Mais je veux de la glace. Maintenant, tu me donnes. T'es méchant. T'es pas gentil, t'es pas belle. C'est ça, ça suffit, hein. Ça suffit. T'es pas belle dans tout cœur. Là, je vois. Là, je vois pas, là. Non. Mais c'est vraiment limite. Hein. Sur un septième. Bon, non, parce que il y a Mathieu là-bas. Ah, Mathieu est là-bas. Je sens qu'il y a un malentendu, mais... Avec Mathieu? Ah non, avec Sébastien. J'y peux rien, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Sébastien? Ben non, parce que y a Mathieu là-bas. Ah, Mathieu est là-bas. Je sens qu'il y a un malentendu. Avec Mathieu? Non, avec Sébastien. J'y peux rien, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Sébastien? Vous pouvez essayer, s'il vous plaît? Prenez l'espace! Allez-y, il faut chanter pour le fond de la salle! Non,
profitez-en. Alors, bienvenue, bonsoir. On va travailler ensemble toute la nuit. On va tourner cette scène de fête dans cette maison, donc. On va vous dire, toi, tu vas marcher de là à là, tu vas aller dire bonjour à Truc, et puis après, tu vas revenir là. Donc, ceux à qui on a donné des places, bah, essayez de les garder. Puis deux secondes après, on va revenir vous voir. On va dire, ouais, non, finalement, tu vas plutôt aller voir machin, et puis après, tu iras voir Truc. Et donc, tu vas être plutôt par là. Tu regardes là. Enfin, ambiance fête, quoi. On va mettre de la musique, les gens vont danser, ça va croiser un peu comme une vraie fête. Au début de la scène, ils dansent sur quoi? Et le premier, donc, c'est une salsa. Et le Tupac, on le met à quel moment? Et à l'image, alors on a... Et musique ! Oyecina, lo lamento de este amante de gracia que la fortuna le ha dado pesaré y sentimiento la alegría y el contento. Mathieu ! Bonsoir. Bonsoir. Enchanté, Sylvia. Tiens, avant que j'oublie, tu pourras donner ça à ton père, tu sais, c'est l'article d'Espagne. Vous voulez danser ? Non, j'y allais, moi. Comment ça, non ? Allez, tu peux. Non, merci. Comment t'accueillir ? Ça m'a fait rire, comment t'accueillir, Agnès ? Bon, allez. Yo sé que le gustaba y le di una mirada con par de palabritas tu número me dio mi única esperanza es que oiga mis palabras no puedo tengo novio no me enganches por favor no. Tu prends tout toi. Mais... on doit faire de la censure après on est d'accord bien sûr. On va regarder les images on va dire ah bah non pas celle ou alors là voilà vous avez demandé un café pour le la pièce de droite là, oui. Au-dessus de la régie. Oui. Tu veux une ambiance ou tu veux ce qu'on disait tout à l'heure, le Renoir qui... Ça sera un peu fort. Le 6 là-bas, là, pour le coup, on va vraiment couper la suite. Par contre, à l'intérieur, ce sera. Il faut que je voie avec Agnès. 51 sur 2, 4. Oui, moi ça me va, mais... Oui, moi ça me va très bien, mais... Ça tourne. Ah, c'est chier, ces chiens. Ça tourne, silence ? Oui. 51 sur 4, deuxième. Et action. Bah alors, tu me dis pas bonne nuit ? Alors ? Ça va ? T'es perdu ? Ben alors, c'est une aventure. Alors, pour demain, j'ai demandé à la gardienne de nous faire un lapin à l'estragon. Je fais mes petites missions. Je fais mes vins. J'ai gagné, Vincent. Ah, alors. Coupé, pardon. Je suis coupé aussi. Ah, j'aime pas les fumées. J'écoute juste. Non, pas plus comme un goutte d'eau. J'écoute. Voilà.
Voilà. C'est juste. J'écoute juste. Et ce que je veux te dire par ne t'inquiète pas, je vais jamais te prendre un truc où tout d'un coup tu fais j'écoute juste, enfin tu vois, puis je pense que tu fais partie de cette il y a une grande marge avant d'en faire trop. Vraiment. Enfin... J'aime pas les fumées. J'écoute, juste. Karine est partie. Action, monsieur, vous demandez une boisson. Vous lui prenez la main. Là, on était avec monsieur. Ici, on était ici. Vous pouvez aider Fanny à faire monter du monde. Vous pouvez descendre dans la caméra avec un plateau rempli. Ensuite, vous allez avec le plateau au buffet qui est là-bas. Non, Sylvain, il va passer aussi avec un plateau, mais dans la profondeur, dans les petits groupes. D'accord. Passons peut-être sur un deuxième. Là, en fait, qu'il faudrait que je fasse passer les autres. Oui, c'est un peu vide là. En même temps, faut pas non plus. Alors lui, ça va pas du tout là. Il est en boîte. Eux, ils sont bien, ils sont très bien eux là, le groupe des trois. Parce qu'après, ils se rebarrent et tout ça. Ça met un peu de temps à démarrer. Ah oui, lui, il fait n'importe quoi le mec avec le sac à dos. Moteur. C'est quoi le bruit qui me tient en bas? C'est ça la voiture? Non, c'est une rue. Dans notre rue à nous? Dans notre rue à nous, c'est pour ça que vous entendez, mais je pense que c'est la rue à droite. Est-ce qu'on peut voir ce qu'on peut faire? Est-ce que quelqu'un a sauté? Est-ce que quelqu'un l'a prise ou pas? Personne. Ok, mais au courant très vite, Ludo, on est prêt à tourner. Voilà. Aurélien, c'est bon, c'est coupé, on peut tourner ? Non, pas du tout. D'accord, tu me préviens dès que c'est bon. Dites-moi vite ce qu'il en est, nous on est prêts à tourner. Ok, merci, alors moteur. Tu es coupé là? Attends, dis-moi dès que c'est coupé, j'envoie le moteur dès que c'est coupé. Coupé Antoine, hein, c'est juste un bus qui passe, c'est bon là. Ok, ça tourne, merci, silence. Annonce. 68 sur 3, première. Et action. Et non, il m'a étonné, qu'est-ce que je te dise. Coupé. Non, c'est le rouge. Non. Ça, c'est 6.
Ça, c'est 6. Là, ce que tu me disais, c'était 6, 6 au milieu. Oui. Donc là, tu décales. Tu me dis 0, 6. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc toi, là, tu as ton même 0. C'est là. Comme ça, tu peux me dire déjà un pied là. Mais tout le temps, tu te mets moi dans tout le monde et j'en ai marre de passer pour le milieu. Ouais, d'accord. Ok ? Ouais. C'est bon, le mélange. Ok, silence partout, on va tourner. Bon dehors, je viens. Joël, c'est bon. Ok, touchez pas rien. Ok, moteur. Moteur, silence, s'il vous plaît. J'ai compris, de toute façon, elle m'aimera jamais. J'ai l'impression que tu me vois pas, que j'existe pas. Ce que je dis, c'est comme si je disais rien. Et tout, et donc à l'action, il y aura de la musique et tout. Vous arrivez en faisant il faut vraiment, si on veut ces confettis et tout le tremblement, s'organiser un petit peu. On voit bien, mais d'accord. Comme une image, et puis Pierre Fanchon, votre essai polémique. Les Français sont des veaux. À voir tout de suite le journal de la nuit. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée à tous. Ouais. J'étais bien, Pierre. Un peu perdu là-dedans, mais... Ouais. J'ai mis des plans en panneau... Enfin, non. Je termine sur les spectateurs, d'abord. Mm-hmm. Et plans en panneau sur... Pierre, Vincent, Karine, puis Étienne. Sur le cap. Tu veux que je te montre le mouvement? Tiens. Ouais. Voilà. Et... Misérable Dio, il faut... Non, le son. Il n'est pas du tout... Ça va très bien. Oh.
Le plan A3 pour la version 2. Mmh. Le plan d'arrivée de l'extérieur. Gros plan Pierre, gros plan Étienne. Oui, oui, oui. Jusqu'à les voilà. Entrée l'entrée des filles, oui, oui. Là, tout le truc. Le contre-champ départ Lolita. Oui, oui. Plan rapproché Étienne oui. Lolita. Plan rapproché Sylvain Pierre. Donc ça fait 8. Voilà. Oui, j'ai trouvé émouvante, très bien. Donc, merci Pierre. Alors, t'es fier de ta fille ? Oui, très très fier, très content, très content. Non, mais hein, c'est vrai, elle était à la Bergère, au Verdier, elle était un peu. Mais après, elle était émouvante. Oui, 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 elle était émouvante. Hein, ouais, ouais. Et hop, tu vas vers Aurel, justement. Oui, elle était émouvante. Oui. Et je me casse comme ça ? Bah, tu vas vers Aurel, oui. T'as ton verre, et puis, bah oui. Ça, c'est comme ça. Hein. Oui, oui. Il est appelé ailleurs. Ah, il est appelé et ailleurs, genre, ouais, c'est facile à dire. Quand on écrit, on fait ce qu'on veut, mais après, oui, elle est émouvante. J'arrive. Appelle ailleurs. Ça fait bizarre, ça. Hein. Mais je peux pas rejoindre Vincent, genre comme si j'avais style pas encore terminé, quoi, tu vois. Donc, ouais, bon, ouais, pas mal, ouais, 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 t'es émouvante. Ouais. D'accord. De toute façon, tu sors du champ. Donc... Ouais, je sors du champ. Pierre, arrive à ce moment-là. Alors, t'es fier de ta fille ? Ah oui, très, très, hein, très, très, très. Elle a bien chanté, hein. Ouais. Voilà, voilà. Au début, elle était un peu hésitante, ouais. Hein, mais après, la voix, tout, elle est remarquée. Non, elle était émouvante. Il est appelé ailleurs. Alors, on est... Ouais, c'est ça. Merci, Étienne. De quoi ? Bah, le buffet, le vin, tout ça. C'est très bon, comme d'habitude. Ouais. Elle a bien chanté, hein, ta fille, fière ? Ah oui, ah oui, oui. Hein ? Elle a vraiment bien chanté. Ah oui, tous, ils ont tous bien chanté. T'as fait un travail magnifique. Non, mais au début, dans le Monteverdi, sa voix était un peu hésitante. Hein. Oui. Mais au fur et à mesure, elle était vraiment émouvante. Ah oui, elle était émouvante. Oui. Il n'a pas aimé ? Si, si, il a beaucoup aimé, je crois. C'est une flûte. Elle a bien chanté, hein. Regarde là. Allez, tout le monde en place, on va tourner. Départ, s'il vous plaît. Je reprends peut-être au moment où je suis soulagée de savoir que c'est pas moi qui suis responsable. Mais oui, vous avez eu raison. Oui, quel serveur, ce serveur-là, oui, d'accord. Et puis, mais oui, vous avez raison. Mais moi, je m'en souviens, tout ça, c'est important. Je voulais vous dire, en fait, ça fait un moment que je voulais vous en parler. Oui. La dernière fois avec le serveur, j'ai pas voulu me battre parce que je trouvais que ça valait pas le coup de... Mais quel serveur ? Oui, dans le café, la dernière fois, celui qui a mis un coup de pied dans les sacs. J'ai pas voulu insister parce que je voulais pas me battre. Ah oui, oh là là, mais je m'en souvenais même plus. J'ai pas voulu insister, je voulais pas me battre. Mais oui, vous avez eu raison. Les gens qui se battent, moi, ça me terrorise. Vous avez eu raison. Mais je m'en souvenais même plus, alors vous voyez. Moi, je m'en souviens. Vous pouvez pas. Voilà, excuse-moi. Ouais. Moi, je m'en souviens, c'est important. Tu comprends que. D'accord. Que oui, ça bien l'a traumatisé. Sûr. Ah ouais. Et quand même, tu oui, je pas suis encore concernée. Joué la zen, mais oui. Et puis c'était violent. Putain, c'est compliqué les pousser ces sacs là. Tu t'en souvenais plus, mais quand il t'en parle, tu recomprends. Je t'ai dit de les virer les sacs. Donc. Oui, je veux pas t'en partir que ça en fait. Entre guillemets, parce que non, je sais... puis tu l'aimes bien, puis. Oui, bien, je vais prêter plus attention voilà. À ce qu'il me dit. Ouais. Mais c'est surtout, moi, c'est bien de lui dire de c'était pas grave, non, mais non. Moi, je m'en souviens. Moi, je m'en souviens un petit temps. Vous pouvez pas. Pardon. Vous pouvez pas vous battre avec tous les imbéciles qui sont sur votre passage. Voilà, continue. Qui sont là, toi, que vous allez rencontrer au bon moment, mais... Vous pouvez pas vous battre avec tous les imbéciles qui sont... Voilà. Je voulais vous dire, en fait, ça fait un moment que je voulais vous en parler. Oui. La dernière fois avec le serveur, j'ai pas voulu me battre parce que je trouvais que ça valait pas le coup de... Mais quel serveur ? Oui, dans le café, la dernière fois, celui qui a mis des coups de pied dans... celui qui a mis un coup de pied dans le sac. Ah oui, oh là là, mais je m'en souvenais même plus de... J'ai pas voulu insister, j'ai pas voulu me battre parce que... Mais vous avez raison. Les gens qui se battent, moi, ça me terrorise, vous avez raison. Je m'en souvenais même plus, hein, vous voyez ? Moi, je m'en souviens. Vous pouvez pas vous battre avec tous les imbéciles qui sont là, sur... Bah oui, voilà. Les gens qui se battent, moi, ça me terrorise. Vous avez eu raison. Mais je m'en souvenais même plus, hein, vous voyez ? Moi, je m'en souviens. Vous pouvez pas vous battre avec tous les
Merci. Et on coupe. Moi j'ai l'impression que je vais trop vite. Hein. Sur, vous avez eu raison, les gens qui se battent, moi ça, ça me terrorise. Je prends pas tout le temps, comme une malade. Comme si pas les fastidies, bon, mais en fait non, il n'y a pas besoin. Hein, non. Parce qu'en même temps, je suis déjà cancer. Oui, je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était ça. C'était pas loin, mais surtout après, une fois que. Après, il faut installer. Toi aussi, tu prends un peu plus de temps. Je vais pas dire la dernière fois. Avec les serveurs, j'ai pas voulu me battre parce que. Non, mais après, tu peux dire non, mais parce que je voulais pas. C'est un truc pourri la vie depuis, voilà. Depuis que c'est passé, c'est-à-dire depuis avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 4 mois que t'as ça et qu'elle a été spectatrice d'un truc où t'as été minable, t'obsèdes, donc c'est important de faire ça. Tu retrouves ta dignité, quoi, tu vois. Tu passes derrière eux, tu te rends compte et tout. Oui. Moi, je m'en souviens, elle sera pas oubliée. Oui, oui. Pareil, un peu prendre le temps de dire... Bah, oui, mais je peux pas vous battre avec tous les gens qui... Ouais, voilà. Je voulais vous dire. En fait, ça fait un moment que je voulais vous en parler. Oui. La dernière fois, avec le serveur, là, j'ai pas voulu me battre parce que je trouvais que ça valait pas le coup. Mais quel serveur? Oui, dans le café, la dernière fois, là, celui qui a mis des coups de pied dans les sacs. Ah oui, voilà, mais j'en sais même plus. J'ai pas voulu insister. J'ai pas voulu me battre, mais parce oui, que... Vous avez eu raison. Les gens qui se battent, moi, ça me terrorise. Vous avez eu raison. Et je m'en souvenais même plus, vous voyez. Moi, je m'en souviens. Sébastien, vous pouvez pas vous battre avec tous les imbéciles qui... Ben oui, voilà. Mais qu'est-ce que... Ah oui, il ne faut pas que je prenne trop de temps, parce que ça va faire un train artificiel. Ouais. Il faut que je faut que je fonce. Tu vas te remoucher? Non. Je m'emmerde à lui obtenir un rendez-vous que même en rêve, il n'aurait jamais pu avoir. Il a l'air tout content. Merci, M. Cassard, d'être très gentil. Et là, juste avant le concert, il arrive comme une fleur. Il dit que non, que ça l'intéresse plus, qu'il préfère essayer de monter son truc à la con avec ses copains. En plus, il se conduit pas très bien, franchement. Bon, je fais quoi, maintenant? Pas parce que, non. Je suis pas sûr. Je dis parce que. Il se conduit pas très bien, franchement. Je fais quoi, moi, maintenant? Tu peux déjà penser à m'interrompre. Hein. Parce que je fais quoi Je veux dire maintenant, je fais quoi maintenant, quoi? Mais j'aurais toujours à dire, hein, c'est pas la question, mais... Moi, je te fais pas de compliments. Alors, passe, mais vite, mais... Ça a disparu, ça? Quoi? Je te fais pas de compliments? Quand? Attends, c'est une version d'avant. Quand tu me dis... Moi, je te fais jamais de compliments. Si, je te fais... Ah, c'est au... Moi, je te dis pas un truc sur les compliments, en tout cas. Non, c'est sur quoi? Où je te dis... Moi, je... C'est dans un autre thème, non? Vous êtes engoulé, Non. C'était dans quoi? Au départ, s'il vous plaît. Mais merde, c'est quoi? Je confonds avec quoi? Putain, ça fait peur, ça. Ça fait peur. Agnès, dis-moi vite un truc, parce que j'ai très peur de devenir fou. C'est où qu'il y a... C'est qu'on l'a enlevé ou c'est que dans une autre scène que je dis moi, je te fais jamais de... Non, mais... Mais ça y était dans cette scène. Mm. Ah, je me disais, putain, mais je confonds quoi avec un autre film, avec une autre scène, je me pars en couille complètement. Ah, ça m'étonnait aussi que tu me fasses des compliments. Pourquoi? Je m'en fais jamais. Je te fais jamais de compliments. Alors ça... Je te fais souvent des compliments, je sais pas quoi, je disais un truc très bête comme ça. J'avais lu cette version. Ah ouais. Ok, on tourne de champ, s'il vous plaît. Allez, allons-y, on tourne maintenant. 96 sur 1, deuxième. Et action. Il est où, là, Sébastien? J'en sais rien. Je sais pas ce que tu comptes faire avec lui, mais... Il paraît pas avoir beaucoup de suite dans les idées, là, ce garçon.
mon maire de lui obtenir un rendez-vous que maman rêve, il n'aurait jamais pu avoir. Il a l'air tout content. Merci, M. Cassard, d'être très gentil. Là, juste avant le concert, il arrive comme une fleur, il me dit que non, ça l'intéresse plus. Et qu'il préfère essayer de monter son truc à la con là, avec ses copains. Et en plus, il se conduit pas très bien, franchement, parce que j'ai l'air de quoi, moi. Je savais pas. Que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il quoi? C'est quoi, c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? C'est quoi? Il te l'a pas dit. Sébastien, ma soeur. Encore? Il te l'a même pas dit. Je suis désolé. Mais cet après-midi, il arrive. Et comme une fleur, non, il me dit que non, parce que ça... J'ai un chat. Mais si, il se conduit pas très bien, franchement, parce que je fais quoi maintenant? Mais je savais pas. Je vais appeler le type. Sébastien! Chut, pisse, mais t'es folle ou quoi? Il faut que je le trouve. Vas-y. Et reviens. Hein? Sébastien! Chut, folle. Dis à Karine que je regrette que je lui en veux pas et que je sais qu'elle est gentille, hein. Tu comprends rien, tu viens de lui dire un truc sur Sébastien, il a pas été en pleurs. Tu comprends rien, ce qui se passe? Non, rien. Bah, rien, je comprends. Viens vers nous. Ralentis, Alain. Ralentis. Viens vers nous, Marilou. Viens vers nous. Ralentis un chouïa. Baisse la tête. Accélère, Alain. Accélère. Un peu plus lent, peut-être, à peine. À peine, oui, mais ça fait un petit peu soutien. Ouais. Et puis, du hold. Super. Hast du mein Herz?
pauvre insieme. Anche la terra e la terra sai. Se cadar fatto è l'un te, fermo per favore non te, fermo per ora non te.